Salut à tous, c'est Requamaster et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort vraiment vraiment de l'ordinaire puisque comme vous le voyez devant vous, on va s'ouvrir un display Pokémon Gym Heroes. Donc c'est quelque chose qui n'a jamais été ouvert par les Français. C'est une série absolument magnifique, vous allez pouvoir le constater par vous-même. Donc avant d'ouvrir ça, je sais que vous êtes impatient, mais avant d'ouvrir ça, je vais un petit peu vous parler de la Japan Expo. Donc la Japan Expo, ça a été vraiment un moment merveilleux, une semaine fantastique. Je vais ensuite vous montrer les quelques achats que j'ai faits. Ça a été surtout un grand plaisir pour moi de rencontrer IRL finalement les autres youtubeurs que j'avais pas pu rencontrer dans la vraie vie. Donc je vais remercier personne en particulier. Je vais tous vous remercier pour ces incroyables rencontres. Vous vous reconnaîtrez évidemment si on s'est vu. Dans tous les cas, je vous conseille d'y aller l'année prochaine si vous n'avez pas pu y aller cette année parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est à pas rater quoi. Vraiment, il y a des stands à n'en plus finir. Ceux qui aiment, qui s'intéressent à la culture japonaise, c'est vraiment une vraie aubaine. Donc, je vous conseille réellement d'y aller. Et je fais quand même un coucou à toute notre petite bande, donc avec qui j'ai passé le plus clair de mon temps à la Japan, vous vous reconnaîtrez évidemment. Et j'ai hâte de tous vous revoir l'année prochaine et même avant pour certains. Voilà, donc je vais vous montrer avant de commencer cette ouverture finalement les quelques petites choses que j'ai achetées à la Japan. Donc je mets le display de côté, je vous le remontrerai tout à l'heure. La première chose que je vais vous montrer, c'est un mug, une sorte de tasse que j'ai acheté avec Sacha, qui a un mégot, et Salamèche, qui fait brûler son mégot. J'ai trouvé cette tasse absolument magnifique, et j'ai pas, avec la Pokéball, évidemment, là, qui est coupée en deux. Certainement, j'en sais rien, mais peut-être un hommage justement à Sacha, qui partage une Pokéball cassée avec Régis dans l'animé. J'adore cette tasse, et j'ai craqué vraiment, donc je l'ai achetée. Je la trouve vraiment très belle. Ensuite, j'ai acheté aussi une petite figurine Kangourex. Voilà, une simple figurine. Rien vraiment de spécial, mais j'ai craqué aussi parce que j'adore Kangourex. Ensuite, tout comme XPKami, qui a aussi craqué sur cette figurine, bah, j'ai acheté le Pikachu avec la casquette de Sacha, que j'adore. Tout simplement, dès que je l'ai vu, même si elle était à 10 euros, je l'ai acheté immédiatement. J'ai remporté aussi un lot à la tombola, j'ai remporté cette figurine avec sac de nœuds et boule de nœuds. Voilà, il fallait la monter ensuite sur son socle. J'aime bien, franchement j'aime bien. Je ne suis pas fan de cette famille sac de nœuds, boule de nœuds, mais pourtant ils rentrent bien quand même et je suis content de les avoir. J'ai acheté aussi, je ne sais pas si vous allez bien la voir, la casquette de Sacha. Voilà, donc là aussi à nouveau, je ne l'avais pas, donc j'ai craqué pour l'acheter. Donc deux petits dessins certainement que vous connaissez, le stand Eclipse Shiny Hunting qui était juste à côté du stand de Newtiteuf, Darkofeu, Pyrux, Galius, Beetle, tout ça. Donc j'ai acheté donc Anactios, ce magnifique Rayquaza Shiny qui est tout à fait sublime. Donc là j'ai craqué évidemment, quand il s'agit de Rayquaza je craque rapidement. Et ensuite, toujours Anactios, donc les trois starters shiny de la région de Hoenn, Gobou, Poussifeu et Arco, qui sont magnifiques, quoi. Ils sont vraiment sublimes, sublimes. Et enfin, donc mon coup de cœur de cette Japan Expo, ce qui m'a vraiment fait le plus plaisir, ce que j'ai acheté, parce que c'était un vrai, pour moi, plus qu'un coup de cœur, je voulais vraiment l'avoir, même si ça m'a coûté 35 euros, c'est quand même un prix assez incroyable. En fait, voilà, c'est cette figurine de N avec Zorua. Donc, je ne peux pas vous la montrer dans la verticalité, parce que sinon, vous ne la verriez pas. Elle est sur son socle, elle est magnifique. N est sublime, donc là, avec son cube, hein, parce que je vous rappelle que N est plus ou moins un mathématicien, c'est finalement son. Voilà, il est très très fort en maths, ça se voit dans les jeux Pokémon noir et blanc. Il est très classe, franchement, j'adore cette figurine, elle est classe avec son petit Zorua. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur, donc je l'ai acheté, même si ça m'a coûté pas mal de sous. Voilà, donc je suis très content de tous ces achats et je suis surtout content par-dessus tout d'avoir rencontré toutes ces personnes. Et si on s'est vu et tout ça, je vous en remercie et j'espère qu'on pourra renouveler ça le plus rapidement possible. Donc passons à ce qui vous intéresse, ce display Gym Heroes.
Alors, Jimmy Rose, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui est sortie en octobre 1998 au Japon, donc vous pouvez vous rendre compte à quel point ça date, et qui est sortie en août 2000 aux USA. Elle n'est jamais sortie en France, c'est pour ça que, comme vous l'aurez remarqué, donc, ce display n'est pas français, mais bel et bien anglais, hein, Trading Card Game. Ce set donc est composé de 132 cartes, dont en tout 19 holos. Il y a 5 holos trainers, comme on peut retrouver dans les séries comme Team Rocket par exemple, et 14 holos de vrais Pokémon, si j'ose dire. J'ai aucune carte de cette série et j'ai tout fait pour ne pas me spoiler avec les scans de Pokécardex. Donc ça sera autant une surprise pour vous que pour moi. Donc, comme vous l'aurez compris, d'ailleurs, cette série fait partie du bloc Wizards et se situe juste après la série Team Rocket. Il y a une autre série qui fait partie de ce mini-bloc, entre guillemets, donc c'est la série Gym Challenge. C'est les deux séries Gym, Jimmy Rose, Gym Challenge. Pourquoi Gym? Tout simplement parce qu'en fait, cette série met à l'honneur les champions d'arène. Comme vous le savez, Gym, c'est l'arène en anglais. Donc, du coup, les champions d'arène qui sont mis à l'évidence dans cette série Jimmy Rose, c'est Brock, donc Pierre, Ondine, Erika et Major Bob, Left and Third en anglais. Donc voilà, je vais vous ouvrir ça, je vais le faire en trois parties, évidemment, pour qu'on profite tous ensemble au mieux de ces cartes qu'on ne voit pas tous les jours réellement. Un remerciement en particulier. Je remercie énormément Thomas, donc 4444 Murcielago. Le lien de sa chaîne sera dans la description. C'est un très 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 bon ami à moi et sans lui, je ne pense pas que j'aurais ce display entre mes mains en ce moment. Il m'a énormément aidé et je te remercie vraiment. Tu es toujours là pour moi, donc je te remercie encore une fois. Voilà, donc on va passer à l'ouverture. Ça va me faire vraiment quelque chose d'ouvrir un display Wizards. Donc avant ça, je vais quand même vous montrer le display en lui-même. Donc là, comme vous l'avez vu devant, on a donc les quatre champions d'arène. Donc ici, nous avons Trading Card Game avec un petit tentacule, le logo Wizards of the Coast. Hein, donc ça, c'est le blister qui prouve que le display est bel et bien scellé. Là, on a des petits motifs absolument magnifiques. Sur l'autre côté, nous avons un nœud neuf, ici, toujours avec les petits motifs, et ici l'adresse de Wizard of the Coast. Ensuite, là, un petit descriptif qu'on retrouvera certainement sur les boosters aussi, donc c'est en anglais. Voilà, bon, ben, vous pouvez faire pause si vous voulez les lire. Donc évidemment, 36 boosters avec 11 cartes par booster. 126 cartes en tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc un petit magnéti, rien de bien spécial. Et ici, tous les types qui étaient présents à l'époque, hein, sans le type dragon, le fée, bien sûr, puisque c'était pas du tout l'époque. Et sur le dernier côté du display, on a un Gravalanche, ici. Le dos, rien de spécial. Voilà. Un dos tout à fait classique. Bon, ça y est, le moment est arrivé. On va ouvrir ce display. Donc, alors je vais essayer de pas. Bon, il a un petit peu été abîmé dans le trajet. C'est pas bien grave. Dans tous les cas, je comptais l'ouvrir. Ça m'aurait embêté surtout si je l'avais gardé scellé. Mais en fait, comme je voulais l'ouvrir, c'est pas vraiment un souci. Donc on est parti. Alors je vais essayer d'enlever le blister sans abîmer le display. Je vais quand même donner encore un petit coup de ciseau là. Hop! Voilà. Alors là, ça va être. C'est la première fois que j'ouvre. C'est pas la première fois que j'ouvre un display Wizard, mais c'est la première fois que j'ouvre une série Gym. Et ça me fait vraiment quelque chose d'ouvrir des. Bon, c'est tellement magique à chaque fois d'ouvrir de tels displays. Waouh, regardez ça. Alors là, c'est magnifique. Alors comment je vais ouvrir ça? Ouh, que c'est beau. Magnifique. Alors là, normalement, il faut faire comme ça. Voilà. Et mettre les trucs derrière, comme ça. Voilà, donc je vous présente donc le display comme ça, là, les quatre champions d'arène. Et ici, nous avons donc les boosters. Alors là, c'est magnifique. Waouh. Regardez ça. Regardez ça, c'est superbe. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, cette ouverture sera divisée en trois parties. Je vais ouvrir 12 boosters dans cette partie, 12 boosters dans la prochaine, 12 boosters dans la dernière. Donc bon, je vais les prendre aléatoirement. Bon, je vais prendre les premiers qui arrivent pour pouvoir vous présenter les illustrations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
et 12. Voilà. Donc je vais mettre le display derrière. On le retrouvera pour les prochaines parties. Donc on est parti. On est parti. Donc je vais vous présenter. Je vais mettre ces boosters là, comme ça. Hop. Ils sont magnifiques. Hein. Waouh, c'est merveilleux. Alors là, c'est des boosters que j'ai jamais vus. J'ai à peine vu les scans sur PokéCardex. Donc on va voir les illustrations ensemble. Donc nous avons Pierre. Alors Pierre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a grave la classe. Là, il a vraiment la classe sur ce booster. Ah, il est super beau. Donc 11 cartes supplémentaires. À quoi ressemble le dos d'un booster? Waouh. Ah, ça pète le feu, c'est multicolore. J'adore, j'adore. Donc là, si vous voulez lire la description, évidemment. Voilà. Super beau. Donc on a le booster avec Pierre, Brock en anglais. Le booster avec Misty, Ondine. Le booster avec Lieutenant Surge, Major Bob. Et le booster avec Erika. Voilà. Donc Erika est vraiment belle aussi, hein, avec ses mains croisées. Là, j'ai toujours aimé cette championne d'arène. Mon booster préféré, personnellement, ça reste Pierre quand même, à égalité pas loin avec Erika. Dites-moi lequel vous préférez de votre côté. Ça m'intéresse, d'autant plus que ce n'est pas des séries qu'on voit souvent. Donc dites-moi tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Allez, je suis impatient. Alors on va commencer par le booster avec Pierre. Allez, c'est parti. Je suis impatient d'ouvrir ça. Alors le premier booster va être un booster test. Donc je ne sais pas du tout où se trouve... Où se trouve la rare et la reverse. Enfin non, il n'y a pas de reverse, je suis bête, pardon. Où se trouve la rare. Alors là, on voit évidemment que c'est des boosters wizard. Donc là, je vais galérer parce que les boosters wizard, bah, pour les ouvrir, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile du tout. J'aimerais conserver les illustrations. Donc ça ne devrait pas poser de problème parce que j'ai quand même 36 boosters. Mais je vais voir dans ce booster où se situe la rare. Donc là, on va vraiment profiter des cartes. Hein. On va vraiment profiter des cartes. Waouh. Alors, par quoi commençons-nous? Alors voilà. Donc là, je vais vous montrer. Bon, ben là, je vais y rester un petit moment. Pour vous montrer comment, en fait, comment sont faites ces cartes. En fait, c'est très simple. On a la tête du champion d'arène qui est toujours située en bas à droite. Donc là, ça montre que ce sac de nœuds appartient à Erika. Erika Stangela. Donc là, on a toujours le nom du champion avant et ensuite le nom du Pokémon. Les illustrations sont magnifiques, enfin je pense. Ici on a le niveau qui est ici. Ça change, hein, puisque après quand on avait le niveau, c'était par exemple dans Diamant et Perle, c'était juste après le nom du Pokémon. Ici c'est en bas à gauche. Ce qui change aussi, c'est la faiblesse qui est au-dessus. La faiblesse est au-dessus du coup de retraite, alors que le coup de retraite, comme vous le savez, dans les nouveaux designs, d'abord on a la faiblesse ici, là, la résistance là, et le coup de retraite ici. Là, c'est organisé différemment. Voilà. Là, la tête du champion d'arène, le symbole de la série, que je vais vous montrer immédiatement, si ça veut bien se faire. Voilà. Voilà. Et ici, on a donc les infos sur le Pokémon, donc le poids, etc. Comme on a l'habitude. Voilà, donc on est parti avec sac de nœuds qui est magnifique. Ah, Lieutenant Surge Voltorb. Donc c'est le Voltorb du Major Bob. D'ailleurs, Miss Blastoise, si tu vois cette vidéo, j'ai bien retenu la leçon. On ne dit pas Lieutenant Surge, on dit Lieutenant Surge. Hein. La prononciation anglaise. Le Voltorb qui est magnifique. Hein, j'adore ce Voltorb qui appartient donc au Major Bob. Waouh, le Nosferapti de Pierre. Le Nosferapti qui est donc posé sur sa branche, là, et la tête à l'envers, comme toutes les chauves-souris d'ailleurs. Ah, j'adore cette carte, magnifique. Waouh, alors ça c'est une traîneur, c'est une commune d'ailleurs, d'accord, j'aurais cru que c'était une peu commune. Donc le gaz de Sabrina, donc Sabrina c'est Morgane, hein. C'est Morgane, d'accord. Donc, d'accord, bon, une traîneur assez simple. Le rhinocorne de Pierre, ça reste encore une commune, mais elle est magnifique. Regardez cette tête de rhinocorne. C'est vrai qu'on ne voit plus des illustrations comme ça, je trouve ça magnifique. Ensuite, waouh, le Chitiflore d'Erika. Ah, il est tout simplement sublime. Regardez les teintes, regardez ce fond comme il est travaillé. Très très beau fond avec les fleurs derrière, on distingue la végétation encore au deuxième plan. Ah, c'est vraiment superbe, vraiment superbe. Donc ça, c'est le Chitiflore d'Erika. Donc ensuite, ça c'est une peau commune, d'accord, mission secrète, j'imagine ça doit être la traduction, on voit bien le Major Bob, très bien. Ensuite, c'est une peau commune à nouveau, donc c'est le Magnéti du Major Bob, d'accord.
Waouh, le Nosferalto de pierre. Ah, il est magnifique. Ça, c'est une carte magnifique. Regardez le Nosferalto, comme il a la classe. Moi, j'adore, j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est la rare, ça y est. La rare. D'accord, donc c'est une rare, c'est pas une holo. Et c'est un Tentacool. D'accord. Vous voyez, dans cette série, un Tentacool peut être une rare. C'est assez incroyable. Donc, bon, bah, elle reste très très belle, hein. C'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir un Tentacool en rare, mais elle est très très jolie. Ouais, j'aime beaucoup. Et donc derrière, nous avons une Energio. Donc si j'ai bien compris, la rare est l'avant-dernière carte du booster. On va pouvoir faire ça avec les boosters suivants. Voilà, donc un très très bon booster pour commencer. Enfin, très bon booster. Très bon booster parce qu'on s'extasie devant les devant les illustrations, hein. Mais sinon, pour l'époque, c'était un booster moyen. Erika. Allez, le booster d'Erika. Booster d'Erika, j'espère qu'il va pas avoir de mal à s'ouvrir, ça va, il s'ouvre facilement. Pour le moment, j'arrive bien à conserver les illustrations, enfin, donc je suis content, on va voir. Donc, si j'ai bien compris, la rare est là. Voilà, normalement ça devrait être comme ça, hein. On va voir si ça marche ou pas. Alors, qu'avons-nous, qu'avons-nous? Nous avons un Hippotrempe, l'Hippotrempe d'Ondine. D'accord, assez simple comme illustration, mais j'aime bien. Le sabelette de pierre. Un nœud neuf, donc le nœud neuf d'Erika. D'accord. Fantominus, waouh. Ah, ça c'est une belle carte. Hein. Ça c'est une super belle carte. Le Fantominus donc de Sabrina, donc de Morgane. Morgane qui est pas à l'honneur dans cette série. Hein. Les quatre champions d'arène à l'honneur, je vous rappelle, sont Pierre, Ondine, Major Bob et Erika. Mais c'est une magnifique carte. Ah, elle est vraiment belle. Hein. Regardez le Fantominus avec les effets derrière. Super beau. Waouh! Ah, Ponyta. Le Ponyta d'Auguste. Super belle carte. Alors, Auguste est mon champion d'arène préféré dans la région Kanto. Évidemment, hein, puisqu'il a un lien avec Mewtwo, etc. Donc, quand on a un lien avec Mewtwo, forcément, c'est ce que je préfère, moi. Non, j'adore ce champion d'arène. Et le Ponyta est super beau. Donc là, il est en train de faire l'attaque Hat, Agility en anglais. Hein. Puisqu'on voit qu'il est en train de se dédoubler grâce à sa vitesse. D'accord, donc là c'est une trainer d'Auguste à nouveau. Ok, Auguste donc, qui avait collaboré avec le docteur Fuji, hein, c'est ça que je voulais dire, notamment au manoir Pokémon de Cramoisil. Super belle carte. Ensuite, donc là c'est la peu commune, il s'agit du Mistherbe d'Erika. Elle est très belle, d'accord. Poison Powder, ouais, j'adore. Elle est super belle. Exelang, à nouveau une peu commune, l'Exelang de pierre. Ok, bon, il tire une tronche, un petit peu bizarre, mais il est pas mal. Bon, vous voyez là, derrière les dessins comme ils sont beaux. Ah, c'est vraiment magnifique, hein. On voit un champ de coquelicots derrière, c'est super beau. Ensuite, est-ce qu'on a la dernière carte? Non, c'est la peu commune. Donc là, à nouveau Auguste, bah, dis donc, Auguste est vraiment à l'honneur dans ce booster. Last Resort, donc je sais pas, le dernier ressort d'Auguste, je sais pas. Voilà, une traîneur, sympa. Et enfin en rare, nous. Non, ah non, pardon, excusez-moi. D'abord la traîneur O, ok. La 132 sur 132, c'est la dernière carte du set. Assez sympa. Et enfin en rare, nous avons. Ok, donc c'est une rare. Il s'agit du Crustabri d'Ondine. Voilà, donc là déjà, ça a plus la tête d'une rare. Elle est magnifique. Moi j'adore, de toute façon, j'ai aucune carte de la série. Donc je la trouverai toutes magnifiques. Mais celle-ci, j'adore Crustabri, et celle-ci est vraiment, vraiment belle. Wow. Ouais, c'est vraiment, on n'a vraiment jamais l'habitude de voir des cartes comme ça. Ça change, ouais. Et puis les boosters sont magnifiques, hein, regardez ça. Vous avez vu un petit peu ces effets là derrière? Ouais, je suis vraiment admiratif. Donc, Major Bob, allez, on est parti. Moi, je vais un petit peu accélérer quand même maintenant, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Allez. Ah, Major Bob veut pas trop s'ouvrir. Ouais, c'est bon. Alors, qu'a-t-on dans ce booster? Donc, à nouveau le 1-1. Et on est parti. Ah, Pikachu! Ouh là là! Pas content le Pikachu, là. D'accord, le Pikachu du Major Bob. Vous voyez le bout des oreilles de Pikachu? On dirait qu'il est de mauvais poil. Hein. Ouh là là! Bon, ben, j'aimerais pas me retrouver en face de lui. Bon, super carte en tout cas, j'aime bien. En plus, d'habitude, on a toujours les Pikachu mignons, un petit peu, qui sont dans des forêts, machin, qui font des jolis sourires. Ben, là, ça change et je suis bien content. Très très belle carte.
Ensuite, donc ça, c'est le coquillasse, pardon, de Ondine. Ok, le coquillasse d'Ondine. Bon, rien à dire. Waouh! Ça, c'est trop beau. Le sablette de pierre, avec le coucher de soleil derrière. Et les nuages. Regardez ça. Avec des petits cirrus, là, les magnifiques nuages derrière. Oh, magnifique. Moi, j'adore cette carte. Ah là, ça doit être une de mes cartes préférées jusqu'à maintenant, hein. Ah, elle est super belle. Super belle. C'est vraiment dommage que cette série ne soit pas sortie en France, hein. Vraiment dommage. Donc ensuite, le duel d'Ondine. D'accord, donc là, elle envoie son Hippotrempe au combat. J'espère qu'il va gagner. Ah, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait, cette carte. Bon, bref. Duel d'Ondine. Oh, c'est super beau ça. Le Goupix de Auguste qui tient une Pokéball dans sa gueule. Ah, magnifique. Bon, dis donc. Les cartes sont super belles, je m'attendais pas à ça. Encore une fois, j'ai vraiment pas vu les scans hein, sur Pokécardex. J'ai simplement regardé le nombre de cartes de la série, l'année de sortie, tout ça, mais ah, c'est super beau. Waouh, wow. Je suis très content. Donc ensuite, on a le Ramolos de Sabrina en anglais, c'est-à-dire en français Morgane. Championne de type psy, hein, c'est pour ça qu'elle a un Ramolos. Super beau, d'accord. Ensuite, Good Manners, donc ça doit être les bonnes manières. C'est Erika avec son Rafflesia, son Chétiflore, son Boostiflore et son Ampiflore. Ok. Ensuite, le Boostiflore d'Erika. Ok, super beau. Hein, il a l'air un petit peu sonné, c'est marrant. Ou alors il est amoureux peut-être, puisqu'il y a un cœur au-dessus. Très très belle carte, j'adore. Ensuite, nous avons Misty's Wolf. Donc, je sais pas ce que ça veut dire en anglais, ça. Mais en tout cas, elle n'a pas l'air contente. Donc, voilà. Peut-être la migraine, puisqu'il y a Psycho-Couac, c'est possible. Donc, ça, c'est la peu commune. L'énergie. Hein, donc, on a apparemment une énergie dans chaque booster, qui est la dernière carte donc, que je mets en avant-dernier grâce au petit 1-1, là, la fameuse technique. Et puis, en rare, nous avons The Rocket Strap. D'accord. Alors, c'est une rare. Ah non, c'est une holo! Ah, c'est une holo, d'accord. Waouh! Magnifique. Ah, c'est une holo, j'avais pas vu au début. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des holo traîneurs et des holo Pokémon. Donc là, je suis très content de la voir parce que c'est une holo de la Team Rocket. Elle est super belle. Donc c'est la combienième du set? C'est la 19e du set. Hein, donc ça rentre dans dans les holos. Puisqu'il y en a 24 de mémoire, je crois. Ouais, c'est super belle. On dirait c'est bah, les sbires qui sont en train de répondre aux ordres de cette femme-là. Ah, c'est super beau. Bon, bah, très très belle holo pour commencer. Bon, il y en a qui préféreraient des Pokémon, mais moi je suis content. Je la mets sous pochette directement. Je suis content parce que j'adore les holo traîneurs. Ouais, c'est super classe. Ouais, j'aime beaucoup. Ok, donc première holo. Donc c'est ça, hein. C'est le quota. C'est une holo tous les trois boosters. Une holo tous les trois boosters, donc on aura a priori 12 holos dans ce display. C'est à peu près, c'est même sûr, quasiment, sauf erreur de display. Donc le booster de Ondine maintenant. Allez, on va un petit peu accélérer, on est à 23 minutes déjà, j'ai ouvert que dalle. Donc on va un petit peu accélérer en espérant. Oula, j'ai défoncé le booster, bon c'est pas grave, j'aurai l'occasion d'en avoir d'autres. De Ondine, voilà. Allez. Donc le 1-1. Qu'avons-nous dans ce booster? Allez, dans ce booster, nous avons. Super, une carte qu'on n'avait pas encore eue. Il s'agit donc du soporifique de Morgane, qui est en train d'utiliser ses pouvoirs psychiques. Waouh, le Caninos de Auguste, qui est dans les flammes. Magnifique carte. Je m'arrête un petit peu sur les illustrations qu'on n'a pas encore vues quand même, parce qu'il faut en profiter. Vous n'en verrez pas beaucoup de ça. Super beau. D'accord, une traîneur, donc ça doit être Jim, donc ça doit être une arène. Je vois pas quelle arène c'est, mais enfin bref. Un petit Hippotrempe, d'accord, le Hippotrempe de Ondine. Un sablette assez simple qui saute dans l'herbe, le sablette de pierre. Un nœud neuf, le nœud neuf d'Erika. Ok. Waouh, Ratatak, le Ratatak du Major Bob. Left Answer du Raticate. Super beau. J'adore cette carte. Ah, Ratatak est vraiment à l'honneur là. On a l'impression que ouais, il est vraiment méchant. Ouais, c'est super beau. Oh, super fang, point d'interrogation. D'accord, donc on ne connaît pas les dégâts de cette attaque. D'accord, marrant. Ensuite, le Misterbe d'Erika. Sympa. Donc là, la traîneur qu'on avait déjà eue, hein, dernier Last Resort d'Auguste. L'énergie psy. Et en rare. Oh, magnifique! La carte que je voulais. Waouh. Je me calme, je me calme. Voilà, donc je vous ai dit que je connaissais aucune carte de la série, c'était vrai, sauf cette carte.
Voilà, je connais toutes les cartes de la série sauf celle-là. Je suis hyper, hyper content. Parce que celle-là, je l'avais déjà vue. Il me semble, je sais plus qui c'est, un ami ou une amie d'ailleurs, qui l'a. Et je voulais absolument la voir parce que cette carte me fait rêver. Et même si j'ai pas vu les autres lots de la série, celle-là, je voulais absolument la voir. Et elle est super belle. Waouh, le Sulfura de la Team Rocket. Rocket Smoltres. Donc là, vous voyez, il appartient pas à un champion d'arène, mais bel et bien à la Team Rocket. Cette carte est superbe. Donc là, l'effet holographique est indéniable. Il est super beau. Derrière les ailes de Sulfura. Waouh. Il est magnifique. Alors là, vraiment, là, rien à dire. C'est une superbe carte. Et c'est pour moi. Enfin, je ne connais pas vraiment les autres cartes, mais c'est pour moi une des cartes à avoir de la série. C'est magnifique. Je suis super content. Allez, on continue avec le booster de pierre. Ah, le Sulfura. Je suis très content de l'avoir obtenu parce que celui-là, je comptais vraiment l'avoir. J'en croyais pas mes yeux quand je l'ai vu. Ben, c'est super. C'est un peu comme si j'avais un Dracaufeu Foulard. Enfin, pas au niveau du prix, bien sûr, mais j'aurais été aussi content que si j'avais eu un Dracaufeu Foulard dans l'étincelle, quoi. Tellement cette carte me tenait à cœur. Allez, on est reparti. Cette fois-ci avec le Voltorb du Major Bob qu'on avait déjà vu. Hop, j'attends que la macro se fasse. Allez, tu peux te faire. Voilà. Le Nosferapti de pierre. Le Rhinocorne de pierre aussi. Waouh, le Tauros, on l'avait pas vu celui-là. Et il est assez beau. Et je l'aime bien d'ailleurs. Le Tauros d'Auguste. Ok, superbe. Mankey, Ferro-singe de pierre. Ok. Chétiflore de Erika. Waouh, le parfum d'Erika, super beau. Avec les senteurs florales, superbe, magnifique, j'adore. Sabrina's ESP. D'accord, donc ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, ben, en tout cas, c'est Sabrina, c'est-à-dire Morgane. Le Tétarte, super beau. Tétarte de Ondine. Ok, j'aime bien. Une énergie psy à nouveau. Et puis en rare, on a. D'accord, une trainer en rare cette fois-ci, hein, c'est pas une holographique. Il s'agit de The Rockets Training Gym. D'accord, donc c'est littéralement l'arène d'entraînement de la Team Rocket. Donc ils ont dû concevoir une arène pour les entraînements des sbires. D'accord, j'aime bien, j'aime bien. Donc ensuite, on continue avec le booster du Major Bob. On est parti. Combien reste-t-il? Ah, il en reste encore quelques-uns dans cette première partie. Voilà, vous m'excuserez si je prends vraiment mon temps, mais là je pense que vous comprendrez, on n'ouvre pas un display de Jimmy Rose tous les jours quand même. Donc il faut bien en profiter, d'autant plus qu'à mon avis, bah, la plupart d'entre nous n'avons pas, enfin, la plupart d'entre vous, puisque moi je les ai, j'ai jamais ouvert de gym, et la plupart d'entre vous n'ont jamais même vu ces illustrations, donc bah, je suis très content. Oula, il y a des bords blancs là, c'est marrant ça, bon, c'est pas grave. La plupart d'entre vous n'ont jamais vu les illustrations, donc c'est sympa de... C'est sympa de les découvrir. Onyx, qu'on n'avait pas vu encore. Le Onyx de pierre. Superbe. Avec ton broche, Rockthrow. Ok, j'aime. Ah, il a 100 PV, regardez. C'est marrant, pour l'époque, 100 PV, c'était énorme. Ok, l'Onyx de pierre. Pas mal. Le Goupix, qu'on avait vu avec sa Pokéball, qui est une de mes cartes préférées, là, qu'on ait vues. Le Nosferapti de pierre. Ok, le Staryu de Ondine. Super beau, avec son attaque Météore. J'aime beaucoup. Sabrina Asgaz. Le sac de nœuds de Erika. Ah, Flagados. Ok, le Flagados de Sabrina. Toujours de type Psy. Ouais, j'aime beaucoup. Cerulean City Gym. Donc, ça, c'est l'arène de Céladopole. Si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est Céladopole. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font à ce pauvre Ramolos là? Oh là là. D'accord. Recall. Énergie électrique, je crois qu'on l'avait pas eu. Et puis enfin, nous avons le Raichu du Major Bob. Leftman Surge Raichu. Ce n'est pas une holo, c'est une simple rare qui est vraiment très jolie, hein, toujours dans la même optique que le Pikachu, avec son naturel agressif qui ressort et son attaque tonnerre qui attaque quand même à 100. Donc une carte qui devrait être vraiment, vraiment, vraiment puissante. C'est super cool. Ensuite, Ondine, Booster Ondine. Ça fait marrant de dire des boosters avec des noms de personnages et non pas de Pokémon. D'habitude, on dit toujours. Aïe, cette fois-ci, Kyurem sur le booster. Alors là,
Là, cette fois-ci, on n'a que des personnages. C'était un concept dans Team Rocket aussi, parce qu'il y avait Jesse et James. Par contre, il y avait des Pokémon comme Legiator dans cette série Team Rocket. Alors que là, il n'y a vraiment que des champions d'arène et non pas de Pokémon. Donc, bon, bah, c'est marrant. Moi, j'aime bien. Je préfère même quand c'est des personnages. Je trouve ça assez cool. Donc, le 1-1. Et on est parti. Avec le Rhinocorne de Pierre, le Tauros d'Auguste. Le Ferrosinge de Pierre, le Chétiflore d'Erika, le Magnéti du Major Bob. Ah, Abra de Morgane, on l'avait jamais vu encore celui-ci. Très bien, j'aime beaucoup. Le Noix de Coco d'Erika. Ok, mission secrète, toujours avec le Major Bob. Le Nosferalto de Pierre, une énergie combat, très très sympa. Ok, je crois qu'on l'avait pas eu encore. Et puis en rare, nous avons, ok, le Electek du Major Bob. Très 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 belle carte. C'est pas une Holo à nouveau, hein, c'est une rare. Super beau. Waouh, le Electek est vraiment mis en valeur. Là, j'adore. J'adore. Super belle carte. Vraiment, on est servi au niveau des illustrations. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Allez, booster Major Bob. Allez. Alors, booster, booster. Les boosters qui sont plus durs à ouvrir que d'autres quand même. Hein. Oula. Ouais, lui, il va pas s'ouvrir. Allez, tu vas le faire. Voilà. Voilà. Je me rappelle quand j'étais petit, j'arrivais pas du tout à ouvrir les boosters. J'avais toujours besoin du ciseau. Mais même, parce qu'à l'époque, quand j'ouvrais des boosters X, toujours, jamais réussi à ouvrir un booster de moi-même. Enfin, à l'époque. Du coup, j'ai jamais. Du coup, maintenant, maintenant j'arrive quand même. Mais même avec les boosters X ou Wizard, c'est quand même compliqué parce qu'ils sont tellement bien scellés, contrairement aux boosters actuels, que. C'est très compliqué. Mimitos, ok, qui envoie certainement un rayon signal avec ses yeux. De Morgane, le petit Goupix de Pierre, Ferrosinge de Pierre également. Trash Exchange, d'accord. Bon, avec un Nosferatu. Mysterbe, ah, je suis pas convaincu qu'on l'ait déjà vu cette illustration-là. Non, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Il est très beau. Ouais, franchement, il est pas mal. Je sais pas ce qu'il y a derrière. On dirait un petit peu, ouais, bon, je sais pas ce que c'est cette forme là derrière. Bah, il est très joli. Donc le Mysterbe de Erika. Un Otaria qu'on n'avait pas vu non plus. Otaria de d'Ondine, qui tire la langue. Ok. Brock's Training Method, la méthode d'entraînement de Pierre. Ok, sympa. Waouh, Mini Draco, un de mes Pokémon préférés. Mini Draco d'Erika. Super belle carte. Waouh. Bon, l'illustration derrière n'est pas vraiment travaillée, mais ça me suffit, moi, pour me ravir. J'adore ce genre de carte. Psycho Quack, évidemment, d'Ondine. Hein, cette pauvre Ondine qui a toujours son Psycho Quack avec elle, qui lui cause plus d'ennuis qu'autre chose. Pardon. L'énergie O en rien du tout, l'énergie O. Et enfin, en rare, un Grolem. Le Grolem de Pierre. Ok. Avec l'attaque Abîme Fissure. D'accord. Ah, le Grolem est pas mal. Le Grolem est pas mal. J'aime bien. Donc on a deux holos hein, pour le moment. C'est à peu près le quota. Hein. C'est à peu près. On respecte le quota. Dans tous les cas, normalement, il n'y a pas de doute là-dessus. On aura nos 12 holos. Maintenant, reste à savoir lesquels on aura. J'espère qu'on aura les plus belles de la série. Pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Quelle que soit la pioche, dans tous les cas, je serai ravi. Donc, il n'y a pas de souci. Allez. Pierre. On est parti, le 1-1. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons le Caninos qu'on avait déjà eu, Caninos d'Auguste, le Sablette de Pierre, l'arène, donc une arène inconnue, Ponyta d'Auguste, le Neuneuf d'Erika, toujours la traîneur avec Auguste, Neuneuf, Pierre, d'accord, enfin, la méthode d'entraînement de Pierre. Les bonnes manières d'Erika, une énergie O, et enfin Erika. D'accord. Donc là, Erika qui existe aussi en holographique, me semble-t-il, puisque il me semble que j'avais vu cette carte chez, je ne sais plus chez qui, mais j'avais vu cette carte, peut-être sur eBay. Donc elle existe en holo, et là on a la forme simple rare. Mais je l'aime bien, je l'aime bien. Bon, ben, tous les champions d'arène sont en rare et en holographique, donc comme Erika. Ok. Allez, on continue avec un booster avec Pierre sur la devanture.
Les boosters pierre, j'ai remarqué, ont plus de mal à s'ouvrir. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont durs comme la pierre. Pardon. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Allez. On ouvre ça. Le 1-1. Et nous découvrons un magnifique Piaf avec. Alors là, quand je dis magnifique, c'est pas ironique du tout. Hein, parce que autant Piaf avec, il y a de nombreuses illustrations où il est pas du tout à son honneur et que je l'aime pas du tout. Autant là, il est splendide. Voilà, là, c'est une carte que j'adore. Par contre, je comprends pas pourquoi il est au Major Bob, qui est un champion de type électrique. Ça fait un petit peu bizarre de voir un Pokémon volant chez les champions électriques. Bref, Mimitos, Mystère, je vais arrêter de dire les noms des champions. Coquillas, Monsieur Mime, d'accord, Mr. Mime. On l'avait pas vu encore, et qui appartient donc à Sabrina, c'est-à-dire à Morgane. Le fameux Pikachu méchant du Major Bob. Caninos, ok. Le Caninos d'Auguste. Oh, Kangourex. Waouh. Alors là, cette carte est splendide. Alors là, il n'y a rien à dire. Là. Cette carte est magnifique. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup à ma figurine que je vous montre immédiatement. Waouh. Ils ont un peu la même posture. Ah, j'adore. Le Kangourex, donc, qui appartient à Auguste. Il est super beau. Hein. Ouais, il est super beau. J'adore. Piaf avec. Une autre illustration. C'est marrant, ça. Ouais, j'aime moins déjà celle-là à l'autre, mais je l'aime beaucoup quand même. Ouais, pas mal. Okay. Qui appartient toujours au Major Bob d'ailleurs. On se demande pourquoi. Une énergie, combat. Et enfin, waouh! Alors là, je vais faire des jaloux. Là, je vais faire des jaloux parce que le Draco d'Erika, il est magnifique. Je n'avais pas vu cette illustration, je ne la connaissais pas du tout. Et je ne savais même pas qu'il y avait un Draco en holographique dans cette série. Mais je suis un grand fan de Draco, encore plus de Dracolos. Mais alors là, il est sublime en holographique. Mais regardez cette classe. Pour moi, c'est la grâce incarnée, Draco. Et là, il est d'autant plus mis en valeur que... Il n'y a rien à dire, quoi. Le rouge derrière, avec l'effet holographique, le Draco qui est dans cette position-là, c'est magnifique. Il est super beau. Voilà, ça, pour moi, c'est une carte qui résume le bloc Wizards, quoi. Ça monte là. C'est d'une grande beauté. Waouh. Superbe. Superbe carte. Bah dis donc, on est gâté, hein. On est vraiment gâté. Et il nous reste deux boosters dans cette partie. Donc on va commencer par le booster de Ondine. Allez, on commence par le booster de Ondine. J'espère que vous appréciez vraiment cette vidéo. J'espère que... Bah, d'ailleurs, je ne crois pas vous avoir demandé si vous allez bien, si vous passez un bon été. J'espère que c'est le cas, que vous profitez de la chaleur si vous êtes dans le sud, parce que je sais que dans le nord, il ne fait pas forcément très beau. Mais que dans tous les cas, vous profitez de vos vacances, parce que c'est ce qui compte. Il faut profiter pendant ces 2 mois là, qui commencent à peine. Hein. On n'est pas du tout. Il nous reste encore tout le mois d'août et la dernière partie du mois de juillet. Donc profitez bien. J'espère que ça vous plaît en tout cas et que cette vidéo vous fait plaisir parce que voilà, j'ai dépensé pas mal de sous, hein, je dois vous avouer, pour avoir un tel display si ancien et scellé. Donc Mysterbe, Otaria. À chaque fois j'ai Coquillas, pardon, Monsieur Mime, le Sablette que je trouve toujours aussi magnifique avec son coucher de soleil, le Pikachu Vénère, Erika Perfume, le parfum d'Erika, d'accord. Toujours cette traîneur, je ne sais pas à quoi ça correspond, hein, ESP, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Enfin, j'aurais pu faire des recherches, mais je ne l'ai pas fait. Le Tétarte de Ondine, d'accord, assez sympathique, une énergie haut. Une simple énergie haut. Et enfin, en rare, nous avons le Rhinocorne de Pierre en rare simple, qui est une rare tout à fait honorable. J'aime bien. Allez, donc nous avons eu 3 holos dans ces 12. Enfin, on va voir avec le dernier booster d'Erika. Mais en tout cas, j'espère que cette première vidéo, cette première partie de l'ouverture du display vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris un plaisir énorme, d'autant plus à ouvrir des boosters si magnifiques, quoi. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour la deuxième partie qui annonce des cartes tout aussi belles, puisque même moi je ne connais pas les holographiques par exemple qu'on pourrait obtenir par la suite. J'étais vraiment émerveillé devant le Draco là. Rhinocorne, Voltorb, le Tauros de Auguste, Magnéti, le Ferrosinge, Chétiflore, Minion of Team Rocket, d'accord. Bon, bah c'est la Team Rocket. Rakaillou, on l'avait pas vu encore. C'est une peu commune, d'accord. Le Rakaillou de Pierre.
Ok, bon, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Tackling Machine, ok, bon, c'est un peu bizarre, je sais pas ce que c'est. Une énergie psy. Et enfin, la dernière carte de cette première partie des 12 boosters du display Gym Heroes. Il s'agit, voilà, magnifique, une holographique. Il s'agit d'Ondine. Comme je vous disais, donc ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure avec Erika qu'on a eu en rare. En fait, toutes les rares pardonnez-moi, les rares de champions d'arène, donc Ondine, Major Bob, Erika et Pierre se retrouvent en holographique, puisque ça, c'est ce que j'avais pu remarquer sur eBay. Donc, du coup, ben voilà, on a cette fois-ci Ondine en holographique. Voilà, donc je ne fais pas de récapitulatif, je vais mettre la carte sous pochette, je ne vous fais pas de récapitulatif pour cette partie, je ferai un récapitulatif général à la fin de la troisième partie de l'ouverture. Dans tous les cas, on se retrouve pour la deuxième partie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un like, un commentaire, parce que ce n'est pas une ouverture qu'on voit régulièrement et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, justement. Donc, bah, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie. Et puis, je vous souhaite que du bonheur, évidemment. Allez, ciao tout le monde.